Oui, allô? Oui. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Visiblement, vous n'avez pas l'air de me reconnaître. Je me trompe? Bah, dites-moi où vous êtes qui après. Écoutez, je suis un petit peu déçue. Je pensais vous avoir laissé un meilleur souvenir. Bah, je sais pas, dites-moi. Bon, eh bien, je ne sais pas comment je dois le prendre. Disons que parce que c'est vous, je vais le prendre bien. Et je vais même vous aider à trouver. En tout cas, vous avez une belle voix. Ça, c'est un premier indice. On est entré en contact il n'y a pas si longtemps. Et ouais. Si j'ai bonne mémoire, il me semblait que je ne vous laissais pas indifférent. Et réciproquement, d'ailleurs. Sinon, je ne vous aurais pas rappelé. C'est un peu bizarre comme situation. Là, vous m'envoyez un peu confus, là. Ah, et vous m'avez même fait une confidence qui s'est avérée être un vrai point commun entre nous. C'est-à-dire ? Je crois me souvenir que vous adorez être dragué par téléphone, n'est-ce pas ? Non, c'est pas une de mes passions, mais éclaircissez-moi l'esprit et... En tout cas, je tiens à vous féliciter. Par rapport à quoi ? Parce que depuis plus d'une minute, vous parlez à une machine. Ah ouais ? Vous me croyez ou pas ? Ouais, c'est possible, ouais. Alors dans ce cas, pourquoi me répondez-vous ? Bah écoutez, j'ai un peu de temps à perdre. Apparemment, vous aussi. Allez, j'arrête de vous taquiner. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Bravo pour votre sens de l'humour. Et c'est qui, là ? Et qui sait ? À bientôt, peut-être.